non à la désinformation et autres formes de manipulation. Munis des pancartes, les populations du département des Pambutos réaffirment leur soutien à l'honorable Manfo David, député à l'Assemblée nationale du Cameroun, victime d'une campagne de désinformation et de déformation de ses propos tenue lors de la session parlementaire dernière par certains médias. Cette caravane, ce jeudi 15 juillet, est une preuve vivante pour les populations des Bambutos qui soutiennent sans faille Sa Majesté Fosso Mufomangwa. Honorable, le début était une organisation d'une marche de soutien par les jeunes. Après, on a transformé ça en accueil fraternel de l'honorable. L'objectif, c'est de dire à l'honorable que nous sommes avec lui et que nous sommes ensemble. Nous disons non à la déformation des propos de papa honorable. Non à la désinformation, oui à la vérité. Nous sommes là parce qu'il y a eu une désinformation autour de son propos que l'honorable Manfo David a bien voulu apporter comme contribution dans la lutte contre la COVID-19. Cette proposition était de faire appel à la pharmacopée traditionnelle, donc mettre en avant notre habit praticien pour qu'ils puissent se préparer les écorces pour pouvoir soigner à leur manière la COVID-19. Mais certaines personnes tapies dans l'ombre ont voulu apporter une autre information qui était plus la bonne. C'est la raison pour laquelle nous, les jeunes du département de Bambuto, nous sommes mobilisés derrière notre député pour pouvoir dire non à la désinformation et oui à la restitution de la vérité. Cela deux semaines, il a été victime d'une déformation des propos. Raison pour laquelle les personnes et la jeunesse Bambutos sont réunis devant lui. Accueilli en grande pompe, l'honorable Manfo David est conduit dans les sous-préfectures et mairies de la ville de Mbouda et de Batcham. L'élu de la nation a profité de l'occasion pour fustiger la désinformation qui est un fléau qui handicape le développement de notre pays. Il appelle d'ailleurs les uns et les autres à se joindre au grand chantier de l'émergence. Vous avez été très content de mon intervention, appuyée d'une interview à l'Assemblée nationale pour insister sur la nécessité de promouvoir la pharmacopée africaine traditionnelle. Car, on le sait, le vaccin fait son travail. Ces remèdes traditionnels font leur travail. Et beaucoup ont été sauvés par nos remèdes traditionnels. Et plus particulièrement, celui de Mgr Pleda. Vous avez été très content. Tellement content que quand on a traversé ces propos, vous avez décidé de marcher. J'ai dit non, vous n'avez pas besoin de marcher. Aujourd'hui que vous êtes très content, vous avez décidé d'aller m'accueillir depuis Mbouda. J'ai accepté. J'ai vu jusqu'où vous m'aimez. J'ai vu jusqu'où vous me soutenez, moi, votre représentant à l'Assemblée nationale. Non au mensonge, non à l'intoxication, mais oui à la bonne information, oui à l'information responsable, à la communication responsable. L'homme n'a pas manqué de réitérer son soutien à la pharmacopée traditionnelle, ce qui constituait d'ailleurs l'essentiel de son intervention au perchoir. À titre d'information, le Cameroun vient d'homologuer deux produits issus de la pharmacopée traditionnelle comme adjuvant dans la lutte contre le coronavirus.